Ces derniers jours n'ont pas été faciles pour Capucine Annave. Sa petite Lola est actuellement à l'hôpital car elle a attrapé la bronchiolite. Au chevet de son bébé, la jeune maman en profite pour préparer son mariage et elle a fait une grande révélation sur Instagram. Capucine Annave est rapidement passé du sourire aux larmes. Le 13 novembre dernier, elle a donné naissance à son premier enfant. Il s'agit d'une petite fille prénommée Lola qui a pointé le bout de son nez avec 3 semaines d'avance. Un cadeau du ciel pour la jeune femme qui n'avait pas caché à son public son combat pour tomber enceinte. Après des années à s'imaginer mère de famille, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a enfin réalisé son rêve à 31 ans. Sur son compte Instagram, CST avec plaisir que celle qui a été révélée dans la télé-réalité Secret Story pose avec son bébé qui fait également le bonheur de son papa, Victor. Un conseiller en gestion de patrimoine pour un grand courtier en assurance vie épargne avec lequel elle compte bien se marier. Celui-ci lui avait fait la plus belle des demandes en février dernier. Quelques mois plus tard, les amoureux n'ont pas concrétisé leur amour à la mairie ou à l'église mais à la maternité avec l'arrivée de leur fille. Capucine Annave indécise pour son mariage mais Capucine Annave ne n'oublie pas la demande de son chéri. Elle compte bien dire oui à Victor très prochainement. Ou pas. Dans une story sur son compte Instagram, la jeune maman a ainsi révélé qu'elle préparait actuellement son union mais que rien n'était encore fixé dans son agenda. Je continue l'organisation de mon mariage qui aura lieu normalement en 2023. Justement avec mon chéri, on est en train de se poser la question et voir si on décale à 2024 ou pas. On n'a pas encore pris la décision alors je suis toujours à fond dans l'organisation, a-t-elle confié sur le réseau social. Avec la naissance de son enfant, ses premiers pas en tant que maman et les problèmes de santé de son Butsu, pas facile pour Capucine Annave de fixer une date de mariage. Depuis quelques jours, sa petite Lola est à l'hôpital car elle a attrapé le virus de la bronchiolite. Le bébé a même été placé sous assistance respiratoire. Une grosse frayeur pour la jeune femme même si l'état de son enfant est pour le moment stable.